Salut à toutes et à tous, c'est Galius, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 12e épisode de Pokémon Bloody Platinum. Merci d'être au rendez-vous aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Alors j'ai mis Fasty dans la boîte Rest in Peace, la boîte défunt, mais il est encore dans mon équipe. Oh là là, c'est fou, c'est magique, mais non, c'est juste que voilà, j'ai pas envie de... voilà, je l'ai dit, juste le garde pour Rick 4 Rock. Bon. J'ai réfléchi, je me suis dit si jamais mis Shirashi dans mon équipe, qui est donc Rukups, ça me ferait encore une faiblesse électrique, vous voyez. Et ça, ça m'embête énormément d'avoir autant de faiblesses électriques. Il me faudrait un Pokémon qui résiste à l'électricité. Bon, j'en ai, hein, j'ai la plante. Oh, il est moche. Il est pas très beau, Azumarill. Wow, 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 wow. Molo, hein. On y va doucement, c'est-à-dire. Et il fait super potion, évidemment. Ouais, donc il me faut un Pokémon sol, hein, absolument. Là, le Marcacrin, ça aurait été génial. Qu'est-ce que je me suis chopé un Castorno à la noix. Ça, c'est pas cool du tout. Roulade, par contre, on arrête tout de suite les bêtises. Hein. Ouais, donc voilà. Je suis un peu triste. Non, je suis pas triste, non, c'est juste que... C'est juste qu'il faut qu'on chope un bon Pokémon, là, dans la prochaine grotte. Normalement, on a une grotte à faire, il me semble. Je suis pas sûr, hein, j'ai pas regardé. Il me semble que oui. Vlan. Quoi, Vlan? Vlan quoi? Hop, la farge. La farge, il est là depuis le début, hein. Il résiste encore et toujours à l'envahisseur. Ah, il est encore là, il est encore là. Tant mieux, hein. Pour moi, c'est un de mes Pokémon préférés dans l'équipe, là. Avec Sycomore, Lafarge, c'est mes premiers, quoi. Bah, Fasty aussi, c'était un premier, j'avoue. Bon, au final, de tout premier, reste moi, Lafarge et Sycomore. Bon, Sycomore, c'est mon Pokémon de départ. C'est différent. Oui, non, attendez. Oh, j'ai pas vu entre qui j'étais. Voilà, vous voyez, qu'est-ce que je fais, là. Ça, c'est un peu le souci. J'envoie moi parce que l'autre parcours fatal il peut pas faire grand chose donc il me fait mur lumière. Je. Voilà. Allez, je fais coupe, tiens. Et on charge donc c'est pas terrible. Il augmente son attaque spéciale. C'est bon. C'est bon. Ah, je me suis dit quand même, il devrait résister. Il n'y a pas de cible. Par contre, électrode là, mon gars, électrode. Pas de panique, j'ai un Pokémon spectre. Non, c'est pas vrai. Explosion, destruction, c'est quoi? C'est spécial ou physique? J'en ai aucune idée. C'est quoi? Je vais chercher. Je crois que c'est physique, mais j'en ai aucune idée. Il a fait destruction ou explosion? Destruction ou explosion? Je sais plus. Je crois qu'il a fait explosion. Oui, non, mais si tu tapes explosion, Pokémon, c'est mieux. Hein. Alors, qui peut l'apprendre? Electrode, tout ça. Donc, c'est physique. Et ça a 250 de puissance. Ouais, c'est physique. C'est physique. Ça ne marche pas, oui, j'ai pas activé, voilà, c'est bon. Ah, punaise, comme j'ai trop peur. Vous savez quoi? Ce qu'on va faire. On soigne. S'il fait explosion, je pense le tenir. Grincement. Oh, mais le gars, il a tout prévu, quoi. Bon, écoutez, il faut changer, hein. On peut pas prendre de risques comme ça, démesuré. Défense 58, 92, bon toi c'est ta faiblesse, hein, on va pas en parler. Et 64, et lui 86 évidemment, c'est le Pokémon qui me manque.
Tant pis, Billy. C'est toi qui dois crever. Je suis désolé, mais. Ouf, c'est bon ça. La lumière ne fonctionne plus. Charme. Ok, ok, on va faire que des charmes. On va faire que des charmes. Au moins, son attaque, elle baisse beaucoup. Rayon chargé, si tu veux, y'a pas de souci. J'ai vraiment peur qu'il ait explosion, c'est pour ça que je fais ça. Hop, on va faire 3 charmes. Ça, il va être à moins 6. Bon, évidemment, il me fait grincement, mais ça, c'est pas un souci. Pourquoi? Parce que là, je change. Bah, même moi, je pourrais attaquer, vous voyez, je peux faire un petit croc fatal. Oui, je peux attaquer. Rayon chargé, ça augmente son attaque spéciale. Hein. Faut pas l'oublier. Ça peut augmenter ou ça augmente? Je trouve que ça augmente tout le temps. Croc fatal. Hop. Allez, encore un. Grincement. Bon, allez, par contre, on change. Il a grincement, rayon chargé. Il a une autre attaque que je connais, je crois. Ah, mais mur lumière? J'ai pas compris. Il a fait mur lumière tout à l'heure? Oui, il a mur lumière. Et est-ce qu'il a explosion? On sait pas. Ah non, il est pas obligé de l'augmenter tout le temps. Méga sensu. Allez, allez, s'il te plaît, là. Oui. C'est bon. Voilà, on a pas pris des risques, hein, vous voyez, parce qu'une explosion, ça pourrait nous être fatal. En lui baissant... moins 6 son attaque, il pouvait pas faire grand chose. Ouais, bah écoute, on va continuer. Donc il en reste. Lui, je l'avais fait, non? Ouais. C'est là où je m'étais arrêté, donc il me reste plus que lui. Et évidemment, celui d'en bas aussi. Le petit montagnard. Mais je pense que lui. Je sais pas si c'est peut-être une grotte en bas, ça me dit quelque chose. Je suis pas sûr. C'est peut-être des bêtises. Pomme de pique, très bien, on va te faire acide. Hop. Représailles, c'est quoi cette énerve ça? Ouais. Il est insecte, c'est ça? Non, 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 ça devrait le mettre KO quand même. Ouais, pas vibre à quoi, mais. Si, quoique. Si. J'allais dire le prochain tour. Et Fortress. Ok. Alors, t'es pas bon en défense spéciale, donc vibre à quoi? Bon, ça va pas non plus le mettre KO, mais ça lui fait pas trop du bien. En plus, il est confus, ça c'est bien. Ça c'est bien. Non, il fait miroir-tir. Qu'est-ce que c'est que ce truc déjà? Acier, ouais, c'est bon. Et ça baisse quoi? La précision? Ça, j'aime pas trop. Yes! Yes, yes, yes! Oh, j'ai tellement hâte d'aller dans la prochaine ville! J'ai trop hâte! J'ai trop hâte! J'ai trop hâte de jouer à ce jeu et de surtout d'attraper des Pokémon plus intéressants, plus rares, tout ça. C'est ça qui est bien dans ce jeu. Bon allez, c'est bon, on les a battus, le montagnard, je le ferai tout seul. C'est un montagnard, il doit pas être compliqué. Hop, ça c'est fait, et à lui à battre. Ah écoutez, hop. Tain, 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 tain. Hop là, allez go. Je vais même pas si une grotte après, je sais pas, je sais pas. 4 Pokémon qui sont KO, quoi. Les boules. Bon, y'en a un, on pouvait pas éviter, hein. Le truc de... Les 3 premiers, moi, je pense que c'était... Si, peut-être le... Mais je suis même pas sûr qu'il crevait le Kizae. Est-ce qu'il crevait le Kizae avec le poursuite non-coup critique? Parce que poursuite, c'est doublé s'il change. Mais poursuite, c'est à 40 de puissance. Bon, c'est stabé parce que Cornèvre était type ténèbres. Mais je sais pas en fait. Lui il peut apprendre une attaque électrique par contre. Normalement je devrais le mettre KO. Ah non. Barrage, non c'est bon. C'est pour ça je sais pas si vraiment il était KO. Si je le changeais. Et s'il avait pas fait coup critique, j'en sais rien. Mais par contre Azelma, tu vois, et. Enfin tu vois. Azelma et Didi. Ça aurait pas trop pu. Aurait pas trop pu le faire. Hein. Mais déjà, je me demande comment je m'en suis sorti. Bon, si, j'en suis sorti, pourquoi? Parce que le mentali en face, il a pas fait des chocs mentales à foison, quoi. Il a fait plein de coups de main.
donc au final qui n'ont pas servi à grand chose, parce que je sais pas si ça augmente aussi la défense de lui, de sa défense à lui. Peut-être ça l'a aidé pour la défense, mais voilà, limite quoi. Ok, alors. Ah, c'est le rival. Pas le rival, non, le... mon copain. Hey Diane, ça se passe comment ton Pokédex? Je l'ai rencontré 204, oh, tu peux pas test. Moi tout roule comme d'habitude, enfin pas tout à fait, mais ce n'est pas très important. Je bidouille des outils vraiment classe ces derniers temps. Choisis une main. Droite. Ouais, tu veux le chercher VS. Bien vu Diane, tu ne perds pas le nord. Je crois que c'était bon les deux. Ah, qui va le prendre une revanche. Tu connais la Pokémon, t'en as une? Ouais, je vois ça. Dans ce cas, voilà un autre cadeau. Radar objet. Il y a quelque chose sur toi, il a dit? Qu'est-ce qu'il raconte? Il doit y en avoir un, là. Je sais pas, je dis ça, j'en sais rien. S'il dit ça. Non? Pas d'objet? Bon, tant pis. Non, mais en fait... J'ai pas envie d'utiliser parce que l'écran est... Ah oui, il y en a un. Super Ball. Ouais, c'est utile sans être utile. Non, non, franchement, ce système-là de cherche-objet, je trouvais ça vraiment merveilleux. Honnêtement. Mais là, comme j'ai pas l'écran, en fait, j'ai pas l'émulateur qui est sur moi. Ah, c'est encore le couronné. Écoutez, je vais utiliser des repousses. Juste pour voir. Parce que les Pokémon qui sont repoussés, c'est les Pokémon inférieurs ou égales. Non, inférieurs au niveau 34. Si je peux tomber sur un Pokémon au niveau 35, vous voyez. Il y a peut-être des Pokémon plus rares. Oh, plus rare, j'ai dit. Bon, Rhinocorne. Bon, ça me fait un Pokémon Sol, je dis pas non. Je dis pas non, mais comment je peux le mettre KO, là? Je vais me faire quoi, là? D'accroche, évidemment. Ramenez-moi. Bon, tant pis. J'aurais préféré quand même un Pokémon un peu plus puissant, on va dire. Mais Rhinocorne est quand même pas mal. C'est un peu un genre de Fasti. Je pense que je vais l'appeler aussi Fasti. Fasti 2. Oh, fastidieux, ça fait. C'est marrant, ça. Bull Rock. Non, non, non. Allez, oh, poudre dodo, là. Oh, Moa. Plaisir à toi aussi. Allez. Ah, enfin. Il fait peur. Oh, est-ce que Mega Sensus, elle met KO? J'ai pas envie de prendre le risque. Ça serait dommage si elle mettait KO, vous voyez. Bon, j'essaie de l'enlever un peu des PV, un peu par-ci, par-là. Il se réveille, Fury, non, c'est bon. Allez, hop, on continue avec Acid. Par contre, j'ai un peu peur de Bull Rock. Oh, c'est bon. Bon, allez, on lance des bols, là, par contre. Trop peur. On va lancer une Super Ball, tiens. Hop, allez, allez Rhinocorne, s'il te plaît, fais-moi le plaisir de rentrer. 1, 2, 3, capturé, c'est bien. Ouais, je vais l'appeler, je pense, fastidieux. Ça fait fastidieux, c'est marrant. Donner son nom, oui. Pour moi, Fasti, vous voyez, c'est le Pokémon type roche, donc... comme c'est une femelle, évidemment, c'est une femelle, j'avais fait gaffe. Hop, Fasti... Numéro 2. Ok, alors on va mettre. Non, on va laisser la farge. Est-ce que j'ai pas de regret, hein. Enfin, regret ou pas, on a pas le choix. Une théorie veut que le mont couronné soit à l'origine de la région de Sinnoh. Dans un monde nouveau, un monde où seul le temps s'écoulait et l'espace s'étendait, le conflit n'aurait jamais dû exister. Mais qu'est-il arrivé à ce monde? Le conflit s'est répandu car l'esprit humain est faible et imparfait.
Il met le monde en péril. Je trouve cette situation tout à fait déplorable. Casse-toi, c'est ça, j'ai plus de toi. J'ai pas envie de toi ce soir. Mais c'est pas possible! Pourquoi j'ai pas des Pokémon comme ça? Pourquoi? Punaise, Togetic! Bon, c'était un oiseau. Je reconnais, c'était un oiseau, on avait déjà... Je reconnais, mais Togeki, c'est quand même bien stylé. Ah bah oui, t'es tout seul là, mon gars. Je vois pas ce que je peux viser d'autre, hein. Oh là là, ouais, ça va être long. Allez, on va amener un Pokémon électrique. Ah là 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 là. Bon, non, au final, j'ai peut-être pas trop de regrets que ça. Qu'est-ce qui tiendra le moins? Je pense le physique. Ah, tu fais un vœu. Ah, t'es comme ça. Bah, ça va servir à rien, ton vœu. Coup de jus. Ouais, non, bon, ça va. Au final, Rhinocorn, ça passe. Ça passe. Un type sol pour résister aux attaques électriques. J'aurais pu aussi pêcher, mais bon, il aurait fallu que je tombe pas sur un Pokémon. Route 208, nouvelle zone. Punaise, mais je reconnais même pas du tout, quoi. Je reconnais pas du tout. Tu veux quelque chose à manger? Mais pas de soucis. J'ai des bonbons, si tu veux. Serfrousse, ah oui. Et lui, il a les attaques psy. Il peut apprendre des attaques psy. Donc on va partir très loin. Oh, il est mauvais en défense spéciale, lui. Oh, lui aussi. Ah, lui, il est bon. Enfin, je dis défense spéciale, mais il peut faire petit coup de boule, là. Imitation. Copie fuite. Ok, si tu veux. Je sais... Bon, allez, on va faire charme, on sait jamais. Parce qu'on sait jamais. Mais arrête d'imiter. Il sert à rien, fuite. C'est bidon. C'est pas le bon talent. J'aurais aimé avoir ramassage, vous voyez. Plénitude, évidemment. Bon, allez, il faut le mettre KO le plus rapidement possible. Les gars... Lui il peut être très dangereux avec un extra sens sur coup critique, c'est fini. Honte folie. Pff, allez, je le tente. Et ouais, il a fait plénitude aussi. Allez, par ici, par ici, par ici. Plénitude. Pourquoi j'ai pas fait étincelle? Oui, c'est bon. J'ai dû faire étincelle tout à l'heure. Lolo. Pico. À toi de jouer. Ténacité, ok, ça sert à rien. Cruel. Bon, ça, tant qu'il me sort pas des vengeances. Non, mais vengeance, ça existe pas. Ça existait pas à l'époque. Je crois, hein. Ça a dû apparaître dans la 5G. Ou 6. Je sais plus. Bon, tu m'attaques un peu, ça sert à quoi de faire ça? C'est là qu'il me sort un fléau. Non, ça va. Pourquoi j'ai pas fait vive attaque? Expliquez-moi. Expliquez-moi pourquoi j'ai pas fait vive attaque. Raoul, pas de victoire, pas de nourriture. Bah c'est ça, hein. Pas de bras, pas de chocolat, hein, comme on dit. L'effet de repousse d'ici. Allez, hop, on court comme toi. Hop, on récupère l'objet. Alors, bon, escalade, je l'ai pas, évidemment. Hein. Alors, je peux pêcher et choper un Pokémon haut. Non, on a suffisamment de faiblesse à l'électricité. Donc, j'ai pas trop envie d'avoir un Pokémon haut. Par contre, j'ai bien envie de faire ce combat. Grâce à mes techniques de karatéka, je vais te pulvériser. Kikli. Non, c'est bon, la farge. Bouclier. On se défend bien.
Qu'est-ce que tu vas faire? Ah non, pas point éclair ou autre comme ça là. Non, lui il peut pas, par contre Taignan il peut. Mais c'est pas grave, parce que j'ai le bouclier. Il bras quoi. C'est tout? C'est tout? Oh. Lire esprit. Qu'est-ce qui peut me sortir là comme attaque? Il peut apprendre aux ruses, non c'est bidon. Ultima Washi. Bah il a ruse, déjà il a trois attaques qui servent à rien. Ruse, je sais plus quoi, bref. Allez, niveau 35. Yes! Là, je suis dans les niveaux, vous voyez, mais c'est vraiment limite. Hein. Voilà, c'est ça. Dernier. Je crois que c'est dernier recours, non? Dernier. Dernier. Ouais. En gros, c'est un jeu de mots. Dernier recours. Dernier recours. Cette capacité ne peut être utilisée qu'après que le lanceur a utilisé toutes les autres. Dommage, il est pas normal, électrique. Bon, là, c'est fait juste une faiblesse au sol, hein, vous allez me dire, mais. Mais non, mais normal, ça aurait été bien. Non, c'est bon, pas bien. Est-ce que j'apprends dernier cours? Sachant qu'après, il faudrait que j'ai utilisé toutes les attaques pour faire ça. Oh là, c'est relou. Non, allez, on va pas le prendre. J'ai pas envie. J'ai pas appris. J'ai pas le profil. On se prochante ça, là. Oh. Qu'est-ce qui se passe, là? Allez, vibre à quoi? J'ai pas peur, ton point éclair. Tu peux me l'amener, ton point éclair. Je crains rien, moi. Amène-le, j'ai bouclier. Voilà. Hop. Onde vide. Ça va être une attaque combat prioritaire, je pense. Yes, confusion. Oui, allez, encore vibre à quoi? Yes. Allez. Non, prends une glace. Tu les essayes tous, c'est ça? Pas de soucis. Non, on va continuer avec vibre à quoi, on sait jamais. Là, je le mets carrément. Voilà. Et le petit dernier. Je dis capoeira, moi. Capoeira. Ouh, c'est pas grave, tu me baisses mon attaque. Pas de soucis. Ruse, non. Ils croient tous que j'ai abri, mais non. Je n'ai pas abri. Donc, ça, c'est fait. Riposte. C'est dangereux ce Pokémon là. C'est vrai que j'ai pas grand chose. Hop, voilà. Lui il est cœur. Tensui. Finalement c'est nous qui avons été pulvérisés. C'est bien de le reconnaître. Le souci c'est que c'est pas fini quoi, il y en a encore là. Bon après on va prier pour tomber sur un bon Pokémon, hein, les gars. Oh. Par contre Close Combat j'aimerais bien l'avoir. Ça franchement... Close Combat et Rapace, c'est les deux attaques à avoir pour Sycomore. Bah nickel, c'est cruel déjà. Je sais pas à quel niveau il les apprend, je pense qu'il va pas tarder. Je sais pas du tout. Allez, Aéropic. Enfin, j'ai pas cruel, c'est vrai, c'est Aéropic. Hop. Et Charmina, voilà, très bien. Ouais, il va tenir. Eh non, même pas. Très cool là. Bon, vous imaginez, on est à l'épisode 12, je crois. On est à l'épisode 12 et je suis presque niveau 40. C'est hallucinant ce truc. Ça me fait halluciner cette ROM. Bon, après, c'est moi qui les ai montés, mais voilà quoi. Bon, allez, on va prier. Alors, oui, on va encore utiliser des repousses. Hop. Nouvelle zone. Je reconnais cet endroit, je reconnais. On va essayer de mettre Sycomore en premier pour tomber sur des Pokémon niveau 38, c'est possible. Est-ce que c'est possible ou pas? C'est possible! Ou 37. Oh, Porygon 2! Yes! Yes! Quoi? Télécharge, augmente sa stack. Oh, il a télécharge, nickel! Bon, alors là, par contre... Oh, doucement, me fais pas peur comme ça. Faudrait que j'amène moi pour lui faire poudre dodo pour augmenter mes chances parce que j'ai pas non plus 40 000 balles. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on fait sac, soin PV, poudre énergie, j'ai une huile en plus, ça c'est cool.
50 PV, ça fait 83. En fait, j'ai peur d'une attaque psy, vous voyez. Oh, il a soin. Qu'est-ce qu'il est bon, ce Pokémon. J'espère qu'il a une super nature. Voilà, on refait. Ah, il faut encore soin. Alors non, ce qu'il faut faire, c'est changer maintenant. Amenez-moi. Amenez-moi de l'eau, s'il vous plaît. Recyclage. Le magnétisme, blablabla, on s'en fout. Donc, poudre dodo, tranquillement, à base de tranquillade. Poudre dodo, voilà, très bien. Hop, tu fais dodo. Ah, j'aurais même pu amener moi pour avoir un Pokémon niveau 38. C'est génial, cette technique du repousse, hein. Vous la connaissiez pas? Non, je rigole. Alors, je pense que vous la connaissiez quand même. On va faire méga sensu. Il dort profondément comme le bébé. Moi, utilise méga sensu. Tu le mets pas KO, je pense pas du tout. Voilà. On va le refaire. Parce que là, voilà, j'ai pas envie de le. À la limite, j'ai bien envie de le capturer à l'Honor Ball, mais j'en ai qu'une. Allez, on tente l'Honor Ball. Yes! 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 Bon, il a pas de sexe. Je sais comment je vais l'appeler. Porygon 2. Il a subi une mise à jour censée lui permettre d'explorer d'autres planètes. C'est un échec. Surtout qu'il peut évoluer en Porygon Z parce que j'ai l'améliorateur. Donne un surnom. Oui. Et je vais l'appeler... New Titeuf. Tac. New Titeuf. Voilà. I'm alive. Bon, on va mettre moi devant parce que j'ai pas envie de me choper encore des Pokémon. Ouah, c'est génial là. Ah, est-ce qu'il y a un objet là? Oui, petit champi. Ça sert à rien, mais c'est pas grave. Bon, lui, il peut me voir, non? Oh là là, mais il y a 40 000 personnes, là. Laissez-moi rentrer à la maison. T'es qui, toi? Quand on me dit une Nyanpoli, je réponds tout de go, concours Pokémon. Je vais d'ailleurs y inscrire mes Pokémon chez. Bah, vas-y, écoute. Ça y est. Enfin, on arrive dans une ville. Ah oui, le Laporeil. Oh, heureusement que tu étais là. Sans toi, qui sait où mon Laporeil serait enfui? Petit Laporeil. Tu vas tout de suite rentrer dans ta Pokéball. Je m'appelle Karine, je suis juge de concours Pokémon. Passe à la salle de concours, je te remercierai comme il se doit. Je pense qu'on va peut-être se faire le concours bon, aujourd'hui, évidemment. Hein. Union Police, donc c'est un peu la grande ville de Sinnoh. Je pensais qu'il y avait le grand centre commercial, mais non. Attendez, c'est où le grand centre commercial déjà? On y est déjà allé, non? Ah oui, c'est Félicité. Non, Félicité. Charbon, non. Pas. Enfin bref, Union Police c'est quand même la ville centre. Ouais bon allez, un moment de folie, ça va être un combat. J'en étais sûr. Monsieur Mime? Mime Junior. Bon ça va, ça va. Ça va, mais il est quand même psy, donc voilà. Billy, allez. Billy. Go, clonage. Oh punaise, l'anticipation. Je pense que étincelle. Je pense que étincelle. Qu'est-ce qu'il va faire? Protection. Ok, alors je pense que coup de jus. Ou croc fatal. Enfin, psy. Allez, tu le tiens tranquille. Tranquille. Ça va, ça va. Ah, je vais prendre Porygon 2. Génial. Bon allez, on va enfin laisser ce fasti dans un maquillage de bouffon. C'est un visage qui rit et pleure en même temps, tout comme ce que nous faisons. Il y en a plusieurs des bouffons comme ça dans la ville. Faut le retrouver. Non, je pense qu'ils nous font des combats ou c'est peut-être dans les centres Pokémon, je sais plus. Bref, bon allez, on va enfin laisser fasti 1 dans le PC.
Parce que toi... Non, bah non, tiens, on va mettre déplacé. Après, on va voir les natures de ces deux Pokémon. Ah, là, ça fait plaisir. Alors, Fasti, tu es défunt, je suis vraiment désolé. Enfin, tu es défunt, ça se dit pas, mais tu es KO. Une petite... Je trouve que ça lui va bien, je sais pas pourquoi. Jovial, je sais pas ce que c'est. Attendez, si, laissez-moi réfléchir. Ah, ça doit être un truc plus défense. Attendez, je vous dis ça tout de suite, ne quittez pas. Jovial plus 10 vitesse, moins 10 attaque spéciale. Mais c'est mieux. Oh. Moins 10 attaque spéciale. Bon, plus 10 défense spéciale, c'est ça? Non, plus 10 vitesse. Vitesse? J'ai dit vitesse? Ouais, bon, c'est pas terrible du tout. Et toi? Lâche. Oula, ça doit être plus... Pourquoi j'ai fermé? Plus défense, ça doit être... Non, c'est pas neutre, je crois pas. Ça me dit que c'est pas neutre, je crois pas. Attendez, Jovial, ouais, plus 10 vitesse, moins 10 attaque spéciale. Le pire. Et lâche, plus 10 défense, moins 10 défense spéciale. Ça, par contre, c'est cool. Ça, par contre, c'est très cool. Allez, j'ai en plus, attire les capacités électriques en double. Oh, ça, je peux le jouer avec avec l'oiseau, là. Ouf, ça, c'est vachement cool. Fasti, on dirait qu'il y a marqué phase 12. Ouais, et toi, par contre, t'es pudique, mais je trouve que ça fait rien. Toi, c'est pas terrible, je vais pas te prendre, je suis désolé. Par contre, j'ai bien envie de prendre le petit œuf, hein, niveau 37 en plus. Donc, bah, je vais te prendre, de toute façon, c'est sûr et certain. Après, quel Pokémon je pourrais laisser? Honnêtement, honnêtement, lui, il est pas super, super. Lui non plus. Parce que les attaques vol, j'ai lui. Les attaques eau, j'ai lui. Donc lui, il est un peu useless. Pour l'instant. Donc on va le changer et on va amener Rhinocorne à la place. Hop. Normalement, il devrait évoluer en Rhino féroce rapidement. Puisque voilà, il est déjà niveau 35 et je sais pas quel niveau il évolue, mais il va pas tarder. Donc Nutiteuf, franchement, c'est bien pour Egon 2. Après, pour l'échanger, alors pour le faire évoluer, vu qu'il faut l'améliorator, comme l'Evoluroc n'existe pas dans cette version, donc c'est-à-dire c'est un petit objet qui double les stats défense et défense spéciale, s'il existait, croyez-moi que je l'aurais mis dessus si je le trouvais, enfin, j'aurais cherché comment le trouver, et là ça aurait été un monstre. Mais le truc c'est que ça n'existe pas, donc tant pis. Donc il va falloir que je le fasse évoluer pour qu'il soit encore plus puissant en Porygon Z. Attendez, Porygon Z, ouais, t'as apparu dans 4ème génération. Donc voilà, Nutiteuf, il est enfin dans notre équipe. Ah, ça fait plaisir, hein. Franchement, on regarde cette équipe, on se dit, bon, on est parti de loin, mais on ira loin. Kedius, 7 février 2015. Vous l'aurez l'épisode en fin de mois, je suis sûr. Bon bref, on va s'arrêter là dans le prochain épisode. Je pense que je vais quand même faire les combats que j'ai ratés et faire évoluer Fasti en Fastiti. Faut que j'arrête. En Rhino féroce. Voilà, j'ai 100 Pokémon. Vous voyez, j'ai 100 Pokémon, quoi. C'est énorme. Oui, sauvegarder, oui. Donc nous, on se dit à la prochaine. Dans 2 jours. Pour l'épisode 13 de Pokémon Bloody Platinum. Moi, donc voilà, je vais faire les combats que j'ai ratés. Normalement, ça devrait le faire. Et ensuite, on découvrira cette ville. Et il y a une arène dans cette ville. Mais je sais pas si on l'affronte maintenant. Je suis pas sûr. Je crois qu'il faut continuer, qu'elle est pas là. C'est Chimera. C'est une américaine d'ailleurs, mais je crois qu'elle est pas là à ce moment-là. Je sais plus. Bon bref, on verra. Allez, c'était Galius. Je vous dis donc à la prochaine. Soyez au rendez-vous dans 2 jours. Ciao, ciao.